anecdote qui, est, qui m'a été rapportée par une religieuse dominicaine qui est en même temps théologienne et qui est médecin dans les milieux de prison. Elle est médecin en prison. Et elle raconte que assez souvent, lorsqu'une personne, une prisonnière ou un prisonnier vient la consulter en tant que médecin, cette personne commence par lui dire « Moi, madame, je suis innocente. » Et elle dit « Je sais très bien qu'elle n'est pas innocente. J'ai son dossier sous les yeux et ces femmes ou ces hommes sont parfois porteurs d'un dossier assez lourd. » Et elle dit « Derrière cela, ils me font découvrir quelque chose. C'est qu'il y a cette conviction que, au-delà, que par-delà tout le péché qu'on peut porter, la misère dont on peut être responsable ou accablé, eh bien, il y a en nous cette part d'innocence que Dieu a mis en nous et qu'il reconnaît en nous et qui fait qu'il continue envers et contre tout de nous aimer. Une façon de dire que la miséricorde englobe, entoure, je n'ose pas dire cache, mais il y a que ça quand même, enveloppe le péché.